Et voilà, fin de la pub. Alors, la quête disait quoi? Nous avons à nouveau croisé Belgar. Cette fois, il nous a donné accès à une nouvelle destination, un labyrinthe censé renfermer d'incroyables trésors. Ouais, mais comment on fait? Une TP? Comment on fait? Ah, ça serait peut-être là. Non, là, c'est la maison du mage. Non, mais non, débile. Ouais, mais du coup... Il t'a pas donné un item ou... Le pas, non. Non, il nous a sorti une énigme que j'ai lue rapidement. Donc je pourrais même pas te parler parce que je m'en souviens pas. Attends, peut-être... dialogue... Belgar. Peut-être ai-je tort, mais il semble que vous aimiez l'or. Si d'esprit vous êtes adroit, alors vous trouverez ce qui se cache derrière moi. À toi je lègue ce bel hôtel, à toi je lègue mes biens de mortel. Lisse comme l'huile, clair comme le jour, sois malin et tu t'en sortiras sans détour. On sait que ça ouvrirait ce truc là, mais pas du tout en fait. Il y a un hôtel, mais il n'y a pas d'hôtel là derrière. De l'or, cool. Salopard, m'a volé mes sous. Bon, sinon... Ça me paraissait être une bonne idée, tu veux pas en reposer plus par là. Bon bah écoute, on va avancer. Hein. Normalement, on n'est pas trop mauvais en énigme, mais... Mais là, ouais. Puis il parlait d'un hôtel derrière lui, mais il n'y avait rien. Un truc de lisse, c'est peut-être la flotte, mais j'essaie d'y aller. Il n'y avait rien non plus. Oh là là! Agro! Il a fait cuit-cuit! Cette fois, c'est nous qui sommes dans l'eau. Le mec, en 2 secondes, il a jeté 3 sorts. J'allais dire, il va vite balancer. Mouais. Bon. Écoute. Doit nous laisser les contrôler les mobs. Ouais, pour pas qu'ils fassent des trucs inutiles. C'est ça. Ça a servi à rien quoi. Les deux mobs ont fait la même chose, ça a été inutile. Pour l'un comme pour l'autre. Là, on va arriver dans un camp là.
Et ton hâte qui me colle chaleur aussi. Ouais. Ah merde, il est plus envoûté lui en fait. Il a pétrifié Mado. Les ballots avec tous les buffs que je venais de lui mettre. Ah merde, j'ai perdu ma connexion. Et voilà, de retour. Petit bug, petit crash de l'Ethernet. L'Ethernet, il a crash. Ah merde, y'a Mado en plein milieu. Putain, casse les pieds, celle-là aussi. Je peux même pas mettre des boules de feu. C'est bien, elle est pétrifiée, tu peux peut-être tirer quand même. Ouais, mais elle va pas aimer, elle va gueuler, machin, machin. Mais alors, ah, oui, pardon, j'avais pas cliqué. Je suis fou sur le ponton, genre. Hein. Je crois que t'as eu peur un moment, non? Je sais plus. Ah. Bon. C'est pas moi. C'est pas moi. Tac 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 tac. Tring tring. Tac 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 tac. Tring tring. Voilà. Give me that. Merci. Je vais le voler déjà tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. Alors, on remet ça comme il faut. J'ai un petit coup de soin. C'est bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? On va vers le village qu'on a vu ou... Bah, peut-être, ouais. Ouais, bah, je vois pas d'autres trucs à faire dans le coin, quoi. Vous allez mourir! Tagaglop, tagaglop, voilà les dailles. Oh, il y a des trucs bizarres. Tagaglop. Pardon? Dans le village, il y a des trucs qui font. Ah putain, il y a encore des fantômes. Oh là là! Ah ouais, il y a du gros en fait dans le village. Peut-être réfléchir avant d'y aller comme un bourrin. Déjà. Raté. Hop. Là. Ah bah ouais, la petite vérole qui sera invulnérable, faut la crever rapidement, comme ça au moins, fini direct. Quand même. Oh yeah! Le petit est fou quoi, il essaie d'en envoûter deux en même temps. Tiens, meurs! Créature du démon! Ça fait longtemps que Jaron n'a pas changé de robe. Ce combo destructeur. C'est joli comme combat ça.
deux gros qui s'affrontent. J'hésitais un petit peu avant de taper parce que je me suis dit il y a peut-être des chances d'aggro les restes qu'il y a derrière, mais après tout aux œufs. Les gros est à l'air costaud, mais en fait pas du tout. Ça c'est gentil. Mais rêve pas, c'était pas pour toi, hein. bah écoute, attends, déjà je vais réparer ma... Je vais réparer mon cure-dent. Voilà. Ouais, j'ai peut-être des trucs à réparer aussi. Ouais, allez, on va charger. Ah non, on va peut-être attendre que mon envoûtement il soit reprêt. T'en prie, tu peux sauvegarder quand t'es prêt et te rapprocher. Ok, mais juste je répare 2-3 trucs et t'arrives. D'où le quand t'es prêt. Craché. Oh là là, ça y est, il est prêt. Ça y est. Ça va être la guerre. Chargez. Ah d'accord, tu veux charger quoi ça, d'accord. On va se faire griller instant, hein. Coucou. Ah mais c'est bien, ça progresse. C'est toi qui es devant ce coup-ci. Combien de PV ça? Plein, ça, plein, ça. Coucou, on va tuer ça. Tuons le fantôme. Les fantômes, ils sont pas sensibles à grand-chose si je me souviens bien. Ouais, t'inquiète. Cure-dents dans leur cucu, ça fait mal quand même. Tiens, tiens. Ah, là, je suis embêté. Si je tape, je peux pas fufu. Ouais, c'est pas grave. Voilà, meurs. Ok. Cucu, là. Non, mais non, j'étais pas là. C'est pas vrai, tu m'as pas vu. Mais non, non, je suis pas stunnable, je suis pas charmable. Non, je suis un boss, moi, monsieur. Il fout lui. Non, pas pétrifié. Connard. Ah, c'est Bibiche. Oh, des dégâts. J'ai touché quelqu'un. Bah merde alors. Quel monde on vit. Eh, maintenant mon mage glash il m'a des... Mage glash. Oh là 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 là. Ça recoupe vachement de points d'action, mais je devrais l'utiliser plus souvent. Ouais, sauf qu'il a étourdi absolument rien. Ouais. C'est dommage. Joli. J'aurais dû mettre une pluie, ça aurait peut-être aidé. Non, qu'est-ce que tu fais toi? Arrête tout de suite. Ah bah super, bon fou, en même temps je suis pétrifié donc. Je viens me retirer des stats, c'est pas dramatique. Augmente l'armure à pétrification. Je sais pas. Ah t'as augmenté charisme? Non. Bon. Oh, je crois pas. Normalement non. Dans le boss. Ado, elle va te défoncer le boss. Puis elle peut taper. Raté. En fait, vous êtes mauvais. Béni. Qu'est-ce qu'on met? Je sais pas.
va mettre une pluie, tiens, parce que ça fait longtemps qu'il a pas plu pendant un combat. Ça rajoute un petit côté dramatique. Voilà. Surtout quand tu mets des éclairs au sol, ça fait plus d'effet. Rick Hochet. Touché. Joli. Yes. Oui les gars, un jour je vous laisse jouer. Ouais, évite de me les réchauffer maintenant, hein. Pas de dégâts de feu. Ok. À part ma pluie de météorite. Il va prendre une vilaine tatane dans sa gueule. Chemin d'immunité aux brûlures. Des points d'action. Peut soigner de temps de distance. Ouais, j'ai un bonus en portée normalement avec la plupart des sorts de gens. Ok, parce que moi j'ai un truc qui guérit les maladies, mais il faut que je sois à 3 mètres. Ouais, mais toi t'es pas sorcier. Tu n'es pas un grand archimage qui maîtrise tous les éléments. C'est un sort d'archer. Ouais. J'ai dit, je fais le malin, mais j'ai quand même des sorts avec gens qui m'imposent d'être collé à l'ennemi. Un ennemi dans Batman, le bestiau avec les traits, on dirait que c'est des tubes de liquide style en ciel. Lâcher ça. Ouais, d'accord avec toi, mais bon. Viens voir là, copain. T'as une portée limitée avec ce truc? Ouais, 4 mètres, 4 ou 5 mètres. Machin en termes de sort de dégâts, c'est ce que j'ai qui fait le plus mal. Donc, bon, un effort, on rapproche les ennemis. Ouais, c'est ça que t'appelles une heureuse trouvaille, quoi. Une grosse armure tout caca. Des poissons. Bonjour. Ah ben ouais, mais ça oui, normal.
C'est bien fait. Pour fouiller le trophée, elle sort de la maison. Un four, j'ai des trucs à faire chauffer, mais ça marche. Oui. Ah, moi j'ai fait un petit somme. Hé hey Jean, à ton tour. Voilà, c'est bon. Il y a des trucs que tu peux pas fouiller dehors. Ouais, bah ouais. Ah oui, non, c'est vrai, moi je sauvegarde pas, j'ai pas le droit. Merci. Avec la coupure, je sais même pas combien de temps on en est mis bout à bout les deux vidéos, donc ma foi. Sauvegarde rapide réussi. Oh, il y a un monsieur. Ah, Balberite, je t'en prie. Y a-t-il, camarade? Avez-vous aperçu un homoncule de la source dans les ombres là-bas? Oui, là t'es en train de parler avec Jean. Okay. Oui, mais ça me met ça comme dialogue. Ah. Là apparemment il s'adresse à Jean. Ah ok. C'est pas possible, Jean! Vous êtes proche de la date d'expiration. J'étais convaincu que je devrais te pourchasser jusque dans ton satané grand palace et de t'en déloger en te tirant par la queue de cheval. Je te remercie de m'épargner cet effort. J'ai parcouru le monde pendant près d'un millier d'années à ta recherche, démon, et voilà que je t'ai trouvé. Voilà, c'est Jean qui parle, hein. Ceux qui regarderont la vidéo le savent. J'honore et je haïs depuis 10 siècles le souvenir de Hiraka. Rien ne m'anime autant que cette haine. Je vous traquerai et je libérerai mon âme de cet enfer. Alberite, vous allez devoir faire plus simple pour moi, votre Altesse. Je m'occupe des âmes, pas de poésie. Jean, vous les détruirez. Vous allez finir en cendres. Je vais vous envoyer brûler en un enfer, est-ce clair? Je vais vous envoyer brûler un enfer. Ok? Balberite, cristal, votre astesse. Votre astesse. Def, chef, chef. Et Betavox qui s'interpose. Que faites-vous de l'esprit de la forêt? N'est-elle pas exquise? J'ai passé un certain temps à scruter sa grande tête rocheuse. Mais ses plus grandes peurs m'échappent encore. Peu importe pour le moment. Allez chérie, juste un petit indice. Mayenne, la honte des clowns. Peut-être qu'elle s'agite depuis que j'ai mis la main sur sa satanée vieille pierre runique. Est-ce cela? Betavox, que savez-vous à propos de la pierre runique de l'esprit de la forêt? Balberite. Oh ça, c'est bien l'objet à avoir ces jours-ci, n'est-ce pas? La femme en rouge m'a proposé une belle récompense si je l'utilise pour ouvrir le temple de la source. Vous ne seriez pas mêlé à cette affaire par hasard? Putain, je lis ça comme un connard, c'est pas grave. A vous de voir, je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Oui, on te tue et on prend la pierre sur ton cadavre. Non? J'ai toujours été favorable aux accords, après tout, je suis sûr que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Jean, vous semblez être très copain avec le... Comment s'appelle-t-il déjà? Track Source. C'est fascinant. Mais qu'est-ce que c'est? À moins que mes sens ne me trompent, je ne détecte aucune peur en vous. Jean, craignez-vous que vos petits amis ne soient en danger? Peut-être pouvez-vous nous aider à rester en sûreté en acceptant un petit accord. Jean qui parle. Cette attention, chasseur, cette pourriture n'a jamais offert le moindre accord digne de ce nom. Cette attention. Faites attention, peut-être qu'ils ont traduit faites peur.
Ouais, bah ouais, faites par 7, logique. Vous feriez mieux de ne pas écouter ce que ces traîtres ont à vous dire. Ça fait attention. Pour l'instant, Jahan, oublions les petites rancunes. Après tout, je suis ici pour parler avec le chasseur. Mais cela prend un certain temps pour arriver à un accord avec votre serviteur. Heureusement pour nous, je vois que la cruauté est l'une de vos qualités premières. Excellent ! Un accord pourrait se faire. C'est exactement l'aide dont j'ai besoin, vous voyez. Il se trouve que j'ai une épine dans le pied qui m'est impossible d'extraire par moi-même. Ralzen Axaroth, un de mes plus anciens ennemis, il a été invoqué près de la forêt que j'ai revendiquée. La femme en rouge lui a demandé de garder l'entrée du temple de la source, mais comme je connais la bête sanguinaire, il a déjà posé le regard sur les créatures de la forêt. Ouais. Chasseur, c'est Jahan qui parle. Vous devez m'écouter attentivement, car maintenant, plus que jamais, mes mots pourraient bien déterminer le cours de tous nos destins. L'accord avec ce démon peut sembler simple, mais sous ce crochet mortel, ne doutez pas que la haine peut vous prendre par la bouche. Pas d'accord avec Balberit, chasseur. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Je ne vais pas risquer ma vie en me frottant au démon. C'est bien dommage. Mais je peine à contraindre une âme d'arriver. Hein ? Mais je peine à contraindre une âme d'arriver à un accord à contre-cœur. Quant à ceux qui ont déjà signé un pacte, eh bien un accord est un accord, n'est-ce pas ? Peut-être que je devrais vous poser la question à vous. Jahan, un accord est un accord, pas vrai ? Vos mille ans se sont écoulés, mon ami, votre âme est mienne. Hein ? Ah oui, c'est vrai, il a raconté son histoire. Déjà, on lui disait qu'il était roi avant et qu'il avait passé un accord avec un démon. D'accord. Pour vivre plus longtemps, mais du coup, son âme serait sienne après. Et puis il l'avait arnaqué. Si Jahan a passé un accord, je dois payer le prix. Ah ah ! Nous n'avions jamais livré notre compagnon de confiance à des semblables. Ouais, on met ça. Par contre, moi, ça bug complet. Quand, moi, j'ai Madora qui parle, après, j'ai qui dit je préfère partir. Et j'ai seulement ta phrase en fait, juste après. Bah là, faut que tu choisisses ce que tu réponds. Ah oui. Donc choisis si on donne Jahan ou pas en fait. En gros, c'est ça. Vous avez fait votre dernière affaire. Oui, chasseur, je vois que je ne me suis pas trompé lorsque j'ai vu du potentiel en vous. Vous êtes désormais plus puissant et plus noble que je ne pourrais jamais l'être. Maintenant, nous rassemblerons nos forces vers cette unique cause et ensemble, nous détruirons un peu plus le mal dans notre monde. Oui, démon, nous allons en finir avec toi. Avant que tu puisses effacer la bénédiction de la vie éternelle, un immortel goûtera à la mort et un autre ne connaîtra jamais sa torpide saveur. Prends rien. Bien, démon, allons-y. Venez, vous aussi, chasseur. Restez près de moi pendant que je fais face à mon épreuve ultime. Quand même. Quoi, il pop en plein milieu, le gros, là? Et il est où, le démon? Ah, en plein milieu, d'accord. Ok. Le problème, c'est qu'on arrive à 30 minutes, donc coupure pub. On se retrouve de suite.